Il est temps de partager avec joie, parlant de ça. Et bienvenue à tous, Caribou. Caribou, bienvenue au milieu de nous dans ce studio de cœur à cœur et dans cette rubrique Caribou. Et aujourd'hui, alors que vous nous suivez, nous disons Audi et nous vous disons merci de nous recevoir dans vos maisons, dans votre cœur, dans votre salon. Audi, pour ceux qui ne connaissent pas la langue, c'est-à-dire qu'on toque à la porte de quelqu'un et si vous nous dites Caribou, nous entrons également dans vos maisons et nous nous recevons avec joie ici sur le plateau de cœur à cœur. Alors, nous espérons que vous vous portez bien et aujourd'hui, vraiment, nous avons quelque chose de très, très, très intéressant. Nous sommes en train de parler d'une mini-série et nous allons parler des mains habiles, les mains habiles. Donc, nous allons prendre comme texte de base, je ne vais pas tous les lire, mais vous allez les lire à la maison. Colossiens 3, 23 à 24, et je lirai quand même Proverbe 14, le verset 23 qui nous dit ceci, « Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air mènent à la disette. » Alors nous avons l'honneur, la grâce et le privilège sur ce plateau de recevoir Mireille Nicole Mabondo, une femme multidimensionnelle. Vous la connaissez, je vais quand même la laisser vous se présenter elle-même pour ceux qui ne l'ont pas encore écoutée. Alors Mireille, bonjour. Bonjour Pasteur Nathalie. Ça fait longtemps, hein? Ah oui, ça fait bien longtemps. Ouais. C'est encore un plaisir de te recevoir sur notre plateau. Ouais, toujours. Alors, de toi aux auditeurs, qui est Mireille Nicole Mabondo? Oui, bonjour. Moi, mon nom, c'est Mireille Nicole Mabondo. Donc, Mireille Nicole, c'est une fille de l'Éternel, une servante de l'Éternel. Mireille Nicole est intervenante psychosociale en relation d'aide. Mireille Nicole est diplômée en sciences sociales avec sciences sociales avec fondement en santé. Donc voilà, Mireille Nicole est une créatrice, une passionnée de la créativité, si je dois le dire comme ça. Donc voilà. Alors tout à l'heure, j'ai dit que je n'allais pas lire tous les versets, mais ça serait intéressant que nous puissions lire quand même Mireille, Colossiens 3, 23, 24, qui nous dit ceci, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, servez le Seigneur. » Alors c'est un verset intéressant qui nous demande de faire toutes choses avec excellence. Tout ce que vous devez faire, faites-le avec l'excellence. Donc nous voyons que pour faire un travail avec l'excellence, ça va se traduire par plusieurs choses. Aujourd'hui particulièrement, ça va se traduire par un travail acharné et un travail persévérant. Donc, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui, un travail acharné et un travail persévérant. Pourquoi? Comme moyen d'honorer Dieu et de réaliser les desseins de Dieu dans nos vies. Alors, accrochez-vous parce qu'il y a des choses très, très intéressantes dont on va parler ce soir ou ce matin. Alors, Mireille, première question. Est-ce que tu peux nous partager une expérience personnelle où le travail acharné ou le travail de persévérance ont joué un rôle important dans la réalisation du dessein de Dieu dans ta vie? Merci pour la parole. Bon, moi, ce que je dirais, c'est que avant même d'entrer de jeu, j'essaierai de définir un peu c'est quoi un travail acharné. Parce que selon moi, et par rapport au titre de l'émission, les mains habiles,
Donc, ça veut dire que je veux vraiment rester cadré dans le niveau des mains habiles. Un travail acharné pour moi, c'est un travail où, déjà il y a le mot acharnement, c'est un travail où on essaie vraiment de s'évertuer, de s'efforcer, de faire un effort. Donc c'est un travail qui, on avance, il peut y avoir des échecs, on apprend, on avance, la persévérance qui va faire découvrir une vertu et puis une vertu jusqu'à ce que ça va arriver à la réussite de ce travail-là. Et il faut dans tout ça, il faut qu'il y ait aussi, en fait, quand on fait ce travail-là, il faut qu'il y ait la conscience. On doit être conscient de ce qu'on est en train de faire. On doit avoir la patience. On doit avoir, moi j'ajouterais l'épice passion. Mmh. On doit avoir la passion. La passion. Oui, oui. Voilà. Mmh. De la chose qu'on est en train de faire. Mmh. Parce que toujours quand on parle de travail, beaucoup de gens disent, et moi aussi je valide ça, que lorsqu'on fait un travail dont on est passionné, un travail qu'on aime, on ne sent pas qu'on est en train de travailler. Mmh. On sent que je suis en train, par exemple, moi, si c'est quelque chose que j'aime, je sentirais que je suis en train de faire cette tâche-là que j'aime. Donc, c'est vrai, la fatigue physique peut arriver, mm-hmm. mais on n'est pas là-dedans tellement on est concentré à ce mm-hmm. qu'on fait comme tâche. Mm-hmm. Donc, alors, mais mm-hmm. comment est-ce que ce travail acharné, justement, t'amène à la réalisation du dessein de Dieu dans ta vie? Parce qu'il y a une finalité, il y a une réalisation, il y a un but pour ce travail, c'est accomplir le dessein de Dieu dans ta vie. Donc, d'accord, oui. Bon, une fois qu'on a déjà donné la définition du travail acharné, moi, je parlerai des talents, d'accord? Parce que les talents, en fait, la créativité. Parce que dans la créativité, il y a les talents, il y a plein de choses là-dedans. D'abord, le Créateur, Dieu, lorsqu'il nous a créés, il a déposé en chacun de nous quelque chose qui permettrait que l'on puisse se manifester, s'accomplir, afin d'atteindre ou d'accomplir ce dessein-là. Okay? Nous voyons, il y en a qui sont des docteurs, il y en a qui sont des médecins, des enseignants, il y en a qui sont pasteurs, il y en a aussi qui sont des athlètes, il y en a qui sont des créateurs, des artistes et tout ça. Donc, moi, je prendrais ça dans la créativité. Dans la créativité, moi, c'est ce que j'ai découvert, que le Seigneur m'avait quand même suffisamment doté des talents qui font que mes mains sont habiles, comme le titre de l'émission. Mes mains sont habiles. Donc, avec mes mains, je peux faire plusieurs choses. Et je l'ai découvert. En fait, une à la fois. Une après l'autre, j'ai découvert ce que j'avais comme habileté, comme touche, comme talent. Et mais il ne suffit pas seulement de découvrir, mais il suffit vraiment d'y aller dans ce sens-là, de se plonger. Et lorsqu'on accomplit cela, ben on est en train d'accomplir les desseins de Dieu. Si on va en référence avec le parabole des talents dans la Bible, donc on accomplit les desseins de l'Éternel. On accomplit les desseins de l'Éternel, on accomplit la volonté de Dieu. Il y a quelque chose que j'aime bien quand on lit... Depuis la Genèse, hein, on voit un peu Adam. Dieu a mis Adam dans ce beau jardin et Dieu lui a demandé de cultiver le jardin. Ouais. Et le dessein de Dieu ne s'est limité pas à Adam. Le dessein de Dieu s'étendait sur le monde entier. Exactement. Adam étant l'intendant de ce jardin, mais ce jardin devait servir non seulement à Adam, et servir à sa descendance également. Et mon mari, juste pour comme ça t'en parler, mon mari a prêché un message dernièrement. Et là, il disait que nous avons tous un ministère par rapport à notre prochain est notre ministère. Exactement. Donc, je vois je vois cette créativité, ces talents, ces dons, comment accomplir le dessein de Dieu. Je vois que le travail, c'est l'expression de l'amour de Dieu pour notre prochain. Parce que tout ce que tu fais,
Tu le fais pas pour toi. Oui, tu t'accomplis, oui, mais tu le fais pour quelqu'un d'autre. J'ai trouvé ça merveilleux, en fait. C'est exactement parce ça. Que tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons, nous les avons, tu donnais la parabole de 10 talents. À partir de 10 talents, il a reproduit, on en parlera un peu plus tard encore, il a reproduit 10 autres talents. Mais pourquoi? Pour glorifier le Seigneur. Pourquoi? C'est pas juste pour nous. Oui, nous allons avoir, ça va relever notre estime de soi, nous serons satisfaits, nous serons comblés, mais il y a d'autres personnes qui vont en bénéficier. Qu'est-ce que tu en penses? Ben justement, c'est tout à fait ça, parce que prenez un... C'est lui qui a conçu l'avion, ok? Quand il le faisait, c'était pas... Sa vision, là, c'était pas pour lui, c'était que je vais créer un avion, je vais concevoir un avion, je vais créer... Ça va permettre aux gens de se déplacer d'un point vers un autre point. Tu vois? Donc, c'est la même chose. Lorsqu'on crée... comment? Okay? Dans la créativité, je fais des bijoux. Lorsque je le crée, ce n'est pas d'abord pour moi. Je le crée pour... C'est beau quand je le vois sur les autres. Tu vois? Quand j'apprends telle chose à une telle autre personne, c'est vraiment pour l'autre. C'est pour revenir un peu à... Il y a une phrase de la Bible qui dit... La joie de donner dépasse celle de recevoir. Exact. Donc, lorsque les talents que nous avons, lorsque nous les accomplissons, oui, ça remonte notre estime, mais c'est pour les autres. Et c'est lorsqu'on voit les autres sont heureux, les autres en bénéficient, mais nous aussi, on reçoit en retour. C'est vraiment ça. Je suis tout à fait d'accord avec cette idée-là. J'ai vraiment pensé là, je regardais un peu comment est-ce que le Seigneur opère. Mais au travers de tout ce que Dieu nous a donné d'unique, hein, parce que les dons et les talents que tu as, je ne les ai pas. Et on peut donc faire ce partage, cet interchange-là, pour vraiment nous compléter les uns les autres, finalement. Et ça, c'est le désir, l'amour de Dieu, finalement. Alors, quels sont les principes bibliques ou les passages bibliques qui t'inspirent pour persévérer dans ce travail que tu fais, le travail de main? Il faut rappeler que Mireille... Elle fait de la création de bijoux, pour ceux qui n'ont pas encore vu ça. Tout à l'heure, nous allons vous présenter une table, ça va défiler. Mireille est multidimensionnelle. Peut-être présente-toi dans tout ce que tu fais, comme ça les gens peuvent savoir vraiment qui tu es. Bon, je bénis le Seigneur encore une fois. Comme j'ai dit, le Seigneur m'a vraiment doté des talents. Donc, j'ai fait plein de choses. J'ai fait plein de choses. J'ai découvert plein de choses, mais bon, là, j'ai un focus sur quelque chose de bien précis, sur lequel je mets un peu mon emphase et toute mon attention. Donc, je crée les bijoux. Donc, c'est quelque chose de inné, hein? C'est parti comme ça. J'aime bien les bijoux, les perles, les pierres semi-précieuses. Je me souviens moi-même que j'aime les diamants, toutes ces choses-là. Donc, alors, je crée des bijoux. C'est parti comme ça, là, d'un bijou que j'ai été acheté il y a quelques années, il y a longtemps, oui, voilà. J'ai acheté un collier de perles. Je n'aimais pas le design. J'ai démonté ce collier-là et je l'ai refait comme je le voulais. Donc, après des années, j'ai laissé tomber. Hein, c'était quelque chose que j'avais fait, j'ai laissé tomber. Mais des années plus tard, disons, on dira, c'était en 94 que j'ai fait le collier que j'avais démonté. Mais 10 années plus tard, en 2013-2014, là, je voyais ma mère créer des bijoux. Je me suis dit, tiens, c'est que si elle fait ça, moi aussi je peux le faire parce que j'avais déjà fait un bijou. Alors, j'ai été acheter des perles, des accessoires, tout ça. J'ai commencé à faire et c'est parti comme ça. Là. Donc, c'est quelque chose qui était en moi, qui n'est demandé que d'essayer. J'ai essayé, je l'ai fait et je continue à le faire encore jusqu'à aujourd'hui. Je donne des ateliers, des formations pour apprendre aussi aux gens à faire ce que moi je fais. Parce que c'est vraiment une passion et ça génère aussi de profits, de bénéfices pour ceux qui veulent aller en entrepreneuriat. Et il y a aussi, je suis passionnée d'écriture, hein. J'aime beaucoup écrire et je me suis, en dehors de faire des rédactions et tout ça, je me suis découvert cette passion-là
Non, le talent, je dirais le talent d'écrire des poèmes. Donc, en 2012, lorsque j'ai organisé la soirée de l'amour avec grand A, avec l'organisme GFAC que j'ai fondé, alors l'idée m'est venue d'écrire un poème. Donc, j'ai pris tout mon temps, vraiment. Je me rappelle encore, j'étais à l'université, j'ai pris le temps, j'écrivais le poème. Donc, il fallait le monter. Moi, j'appelle ça un montage. J'ai monté le poème. Je me suis surpris à écrire un poème. Et je me rappelle, le jour de la soirée, lorsque j'ai lu le poème, tout le monde était « Ouh !» Et c'était un beau poème qui parlait d'amour, hein? De l'amour de Dieu, hein? Manifesté au travers de nous, mais d'une façon dont, tu vois, les êtres humains, nous aimons parler de l'amour, mais vraiment de la belle façon, parce que Dieu est l'instigateur de l'amour, n'est-ce pas? Absolument. Alors, donc, c'est ça, et puis il y a plein d'autres trucs que je fais aussi. Alors, qu'est-ce que, parce que ça prend de la persévérance, nous sommes en train de parler de travail acharné et de persévérance. Tout à l'heure, parlant de travail acharné, tu disais tous les efforts pour le poème, comme tu dis, ouais. Tous les efforts que tu mets pour accomplir ce travail. Quel est le principe biblique qui t'inspire, je ne sais pas, un verset, un passage qui t'a inspiré justement pour produire ces chefs-d'œuvre que tu produis? Bon. Il y a un proverbe clé que tout le monde connaît. Hein? On parle de la femme vertueuse. C'est proverbe 30 ou 31, quelque chose comme ça, où on parle de la femme 31, voilà, de la femme vertueuse, de tout ce qu'elle fait. Hein? On a détaillé un peu tout cela. Et puis, il y a encore un autre verset de la Bible qui dit ben, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Voilà, tout simplement. Il y a encore le proverbe des paraboles de talent. Mm-hmm. Et puis, il y a encore... il y a un autre texte en dehors de la Bible qui me passionne beaucoup. Mm-hmm. Je l'ai appris à l'école, je pense, secondaire ou primaire. Le laboureur et ses enfants. Oh, que j'aime ça. Le laboureur et ses enfants. Moi, c'est un texte qui m'inspire encore aujourd'hui. Mm-hmm. Quand on lit cette fable-là de Jean de La Fontaine, il y a quelque part, là, il y a un passage qui dit « Cherchez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et ne repasse. » J'aime ça. Donc, tu j'aime vois, trop ça. Ça veut dire qu'il faut fouiller, il faut vraiment aller chercher au plus profond de vous, cultiver, jusqu'à ce que vous allez trouver. Et à la fin du texte, comment ça? Ça dit, le père mort, le fils vous retourne au champ. Ils ont travaillé longtemps jusqu'à récolter, mais le père fut sage de leur montrer que le travail est un trésor. Effectivement, le travail est un trésor. Mm-hmm. Dieu lui-même a bossé, c'est un grand bosseur. Exact. Il a créé le monde en 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Mm-hmm. C'est l'exemple le plus excellent que nous puissions, qui puisse nous inspirer. Mm-hmm. Justement, je reviens sur le laboureur et ses enfants. Ouais. Bêcher, de laisser aucune place où votre main ne passe et ne repasse. Mm-hmm. Il y a ce verset de Ecclésiaste 9, 10 qui dit « Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Tout ce que ta main trouve à faire, ouais. Fais-le. Ouais. » Et j'ai un adage d'une de mes amies qui est, bon, c'est une de mes amies, et sa mère lui disait, c'est impossible pour une femme de dire qu'elle n'a rien à manger dans la maison. Je suis tout à fait d'accord. Impossible. Parce que tu trouveras toujours, avec ta main habile, avec la créativité, tu trouveras toujours le moyen de donner à manger aux enfants. Juste un adage comme ça. D'ailleurs, c'est dans les temps des grandes crises que les meilleures créativités sortent. Exactement. Les meilleures recettes, les meilleurs repas sortent. Donc oui, effectivement, que ce que Dieu te donne à faire, fais-le. Parce que le Seigneur, après tout, il n'aime pas la paresse, c'est le plus grand bosseur. Ouais. Alors, merci beaucoup Mireille. Et comment est-ce qu'au travers du travail acharné, tu peux témoigner de Jésus-Christ à tout ce qui t'entoure? Parce que parfois, les gens peuvent te voir, surtout quand on parle des mains habiles, on parle du travail des mains. Il faut savoir que pour certains, ça peut être méprisé, les travaux faits avec les mains. Mais nous comprenons qu'il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des sottes gens. Alors, tout ce que Dieu nous a donné, ce sont des talents et le travail est une bénédiction.
Et comment tu peux témoigner de ce travail acharné à tout ce qui t'environne? Bon. Comment est-ce que moi je peux témoigner de ça? Témoigner ta foi chrétienne, en fait. Oui, hein? Témoigner ma foi chrétienne. Déjà, lorsque je sais faire quelque chose, ok, pour ne se limiter qu'aux bijoux, ok, à la créativité, je vais, lorsque comment dire, lorsque j'invite une personne ou je croise une, bon voilà, tantôt tu as dit qu'il y a, il y a une personne, qui, la maman d'une de tes amies a dit que une femme, c'est impossible qu'une femme ne soit pas en mesure de trouver quelque chose à faire pour nourrir ses enfants. Donc c'est exactement ça. Je me retrouve en face d'une femme par exemple qui dit que non, mais bon regarde, moi je ne sais pas nourrir les deux bouts du mois, je n'arrive pas et tout. Mais écoute, moi, c'est que j'ai. Il y a Confucius qui a dit, si tu me donnes un poisson, je mangerai. Mais demain, j'aurai faim. Si tu m'apprends à pêcher. Mais si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus faim. Donc, je vais appliquer le même principe. Le même principe avec mon prochain qui est devant moi, cette madame, cette femme qui ne sait pas comment s'en sortir. Mais il y a là, comment ça? Voilà, il y a un verset qui me vient là, la femme qui avait été chercher les bidons d'huile pour multiplier. Donc, il faut partir du principe, qu'as-tu entre les mains? Exact. Qu'as-tu entre les mains? Dieu a doté tout le monde de quelque chose. C'est vrai, il y en a qui en ont un, il y en a qui en ont cinq, il y en a qui en ont dix, il y en a qui en ont plus que ça. Mais Dieu a donné un. Et je sais que avec un, lorsque tu découvres un talent que tu as, tu commences à y travailler, ça va te faire découvrir un autre talent que tu as. Effectivement. Regarde, pour une femme, prenons la femme qui avait la femme qui devait réunir les bidons d'huile pour celle qui avait fait des gaufres pour le prophète. Alors, qu'est-ce qu'on lui a dit? Va chercher les bidons, viens. Enferme-toi, commence à remplir. Donc, c'est ce qu'elle avait entre ses mains. Elle a commencé à remplir les bidons. Elle a rempli. Donc, là, elle a eu la provision. Mais après l'étape d'avoir rempli, d'abord, il a fallu qu'elle aille chercher. Chercher, ça, c'est aussi une étape qu'il faut passer. Donc, c'est comme si, c'est pour une autre personne, ça peut être une formation. OK? Un apprentissage. Exact. Et après ça, après avoir rempli les bidons, elle devait passer à l'étape de la vente. Donc, c'est un autre talent qu'elle devait expérimenter. Et après qu'elle ait expérimenté ce talent-là, c'est sûr que ça a généré des bénéfices. Elle est rendue au niveau d'avoir des fûts, des containers et tout ça. C'est sûr qu'elle a développé son commerce. Et lorsqu'elle a développé son commerce, tu vois, ça développe. Il y a une entreprise qui se crée. Moi, j'essaie d'élargir un peu. Hein. Mm-hmm. Il y a une entreprise qui s'est créée. Elle a employé aussi des gens qui étaient sans emploi. Et les autres se sont formés et ainsi de suite. Et le village s'est enrichi parce que chaque femme pouvait devenir autonome. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Mais tout part. Quand elle rencontre le prophète, le prophète lui dit, mais qu'as-tu chez toi? Ouais. Donc, cette femme n'avait même pas réalisé qu'elle elle avait un don. Elle n'avait pas réalisé qu'elle avait un don. Mais pour qu'elle fructifie, pour témoigner de Dieu, elle obéit. L'obéissance qui est très, très importante. Des fois, on a quelque chose, mais on n'obéit pas. Dieu te dit, oui, utilise ça. Voilà ce que je t'ai donné. Tu parlais de la parabole du talent. Il a reçu un talent, mais n'a pas obéi. Pour le fructifier, donc l'obéissance à Dieu, la confiance à Dieu qu'à partir de ce talent, tu peux en avoir un autre. Donc ces choses qui vont témoigner, parfois les gens se retiennent parce que un, ils ne croient pas en Dieu pour la multiplication, ils n'ont pas confiance en Dieu, ils n'obéissent pas à l'ordre de Dieu finalement, ils vivent la disette. Mais c'est ça justement ce qui veut dire que quand on parle de l'équilibre, je ne sais pas si je dois dire le mot équilibre, tout cela nous ramène au Créateur. Voilà raison de plus pour laquelle nous devons nous attacher au Créateur. Parce que prends cette femme-là, elle ne sait pas, parce que Dieu, le Créateur, a déposé dans chacun. Mais elle ne sait pas que
Mon créateur a déposé quelque chose en moi. Elle envie ce qu'elle voit chez les autres. Mais elle, ma voisine, elle fait ceci, elle fait plein de choses. Mais moi, je ne fais rien. Mais pour qu'elle arrive à découvrir ce qu'elle a en elle, il faut qu'elle retourne vers son créateur. Donc, tout, regarde, tout, quoi que l'on fasse, tout, c'est, il faut faire un retour vers le créateur. Et faire le retour vers le créateur, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui est le révélateur, non, de toutes choses. Ouais. Donc, il faut qu'elle retourne à Dieu. Dieu qui est lui-même le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui nous a été laissé. Mais c'est le Saint-Esprit qui lui fera comprendre. Le Saint-Esprit va lui révéler, regarde, tu as tel don. Tu as tel talent, essaie telle chose. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que le Saint-Esprit parle, il va te révéler. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, quoi que l'on fasse, quoi que l'on devienne, ou quoi que l'on veut devenir, il faut toujours qu'il y ait un retour vers le Créateur. Et le retour vers le Créateur, oui, accepter Jésus-Christ, croire en Jésus-Christ. Il ne suffit pas seulement de croire, mais d'accepter le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui va conduire chacun vers sa route, son chemin, sa destinée, vers sa réussite. Donc, c'est vraiment ce lien-là, cette relation-là, avoir une relation avec Dieu, avoir une relation avec le Saint-Esprit. Effectivement, mais parfois, on peut se trouver également avec des collègues de travail ou bien avec des gens que nous rencontrons dans des organismes communautaires et qui n'ont aucune relation avec Dieu également, mais le fait de leur montrer ce que nous faisons, peut-être va aller les inspirer justement et les amener à se découvrir et puis à mettre en pratique leur talent. Est-ce que tu as eu des défis personnels qui t'ont dans un moment particulier et que le travail acharné justement t'a permis de surmonter tous ces défis personnels? Bien sûr, bien sûr. Je vous ai dit tantôt que j'ai un organisme. Alors, moi, c'est plus dans la communication événementielle. Donc, je me sers toujours des événements, OK, pour passer le message de paix, le message d'amour que je dois passer. Alors, vous savez, quand on fait un événement, on peut essuyer des échecs aussi. Donc, j'ai été persévérante. Vraiment, j'ai avancé. Je ne me suis jamais laissée décourager. C'est sûr qu'il y a eu des gens aussi qui m'ont dit, hey, « Mais Mireille, qu'est-ce que tu crois là? Tu dépends de là. » Je ne me suis jamais laissée décourager parce que je sais en quoi j'ai cru. Et en plus, je vais te raconter. Je me rappelle, quand j'ai... c'est quelque chose qui bouillonnait en moi depuis longtemps. Mais lorsque le Seigneur m'a parlé une fois, le Seigneur m'a révélé, il y a eu une période où, tu te rappelles, il y a, je crois, vers 2012, je vous ai raconté où je sentais les mains bouillonner. Donc, j'avais plein d'idées en tête, mais à un moment donné, j'ai commencé à pleurer, Seigneur. Je commence avec quoi? Je ne savais pas avec quoi j'allais commencer, mais entre-temps, depuis toujours, moi, je suis du genre, je passe quelque part, je vois un dépliant, quelque chose qui m'intéresse, un magazine. Donc, je ne faisais que ça. Je récoltais les choses, je prenais des... Mais jusque-là, je ne savais pas pourquoi je récoltais tout ça. Mais c'est seulement après que j'ai compris. Ah, OK. Donc, lorsque le Seigneur m'a fait comprendre que je devais commencer avec la soirée de l'amour. Ah, OK, d'accord, je commence avec la soirée de l'amour. Mais qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est que Dieu peut nous montrer... Dieu peut nous montrer, quand il me l'avait montré, que je voyais à l'horizon, au bout, que non, tout c'était beau, c'était parfait, le succès est bien. Mais à cette époque-là, je n'avais pas pensé que, entre ce que Dieu me dit maintenant et la réalisation, il y a un parcours. Effectivement. Tu vois, il y a un parcours. Donc moi, dans ma tête, j'étais, oh, OK, c'est vrai, Dieu est favorable. Il m'a dit, je commence avec ça. OK, je fonce. J'étais très enthousiasmée. Je le suis encore jusqu'à aujourd'hui. Mais j'y allais, je me disais que non, comme j'ai vu, Dieu ne ment jamais. Mais je n'avais pas réalisé qu'entre l'instant où il m'a montré et la réalisation, ça prenait vraiment. Effectivement, j'ai essuyé des échecs, des pertes de revenus. Mais moi, en fait,
les échecs pour moi, c'était comme des, des escaliers pour monter. Et ça m'a, j'ai jamais été une personne qui lâche à première vue. Non, 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 non. Je vais jusqu'au bout. Je suis un peu du genre jusqu'au boutiste. Donc, j'ai été, j'y allais persévérant et jusqu'à découvrir encore le Seigneur. Je suis encore là, il est encore en train de me faire découvrir des choses et j'avance. Et comme tu le disais, ça prend entre, la révélation du don et l'accomplissement. L'accomplissement, ça prend de la formation, s'il faut aller c'est se former. C'est toute une formation, voilà, oui. Ça prend de la discipline, ça prend un travail assidu, ça prend la persévérance, la continuité, une grande, grande discipline. Plein de choses pour que ça arriver à l'aboutissement. Oui. Comme par exemple les bijoux, je vous ai dit que c'est que j'ai créé des bijoux, mais à force de vouloir créer toujours quelque chose de beau, je vous ai dit que j'aimais bien les pierres semi-précieuses et tout ça. Je me suis dit, ok, je vais aller perfectionner ça à l'école de joaillerie de Montréal. Donc ça m'a conduit jusque là, où j'ai commencé à souder, à vraiment à faire fondre les pépites d'argent. Pour monter un bijou, je dois dessiner une paire de boucles d'oreilles, il faut mesurer. Mais donc, j'y suis allée, vraiment, il y avait la passion là-dedans. Justement. Il y avait la passion, parce que sans la passion, on ne fait rien. Absolument. Même qu'il y a des gens qui me demandaient, mais Mireille, tu as vraiment le temps de faire tes bijoux là. Tu es vraiment passionnée. Je dis, ben oui, ça prend la passion. Parce que si tu n'es pas passionnée, tu vas perdre patience. Et la passion entraîne des sacrifices. Il y a beaucoup de sacrifices. Ah, beaucoup de sacrifices. Regarde la passion qui est allée jusqu'à la croix, Christ. Voilà. Beaucoup de sacrifices, voilà, mourir à soi. Ouais. Donc, on aura peut-être des humiliations, ah, oui, on aura du rejet, de l'abandon. Oui. Mais le plus important, ce n'est pas de se décourager, parce qu'on a la vision. Voilà. On a la vision et on répond à l'appel de Dieu, justement, dans notre vie. Alors, est-ce que tu as des exemples bibliques? On peut citer des personnages bibliques, des exemples bibliques, des gens qui ont persévéré, qui étaient acharnés dans le travail, qui ont vu des résultats de leur travail. Bon, dans le travail, là, on revient encore sur, la femme vertueuse. Hein. Mm-hmm. Mais moi, j'irais, je ne peux pas m'empêcher de le dire, là. On a appris que Jésus était charpentier. Absolument. C'est vrai qu'on nous a juste relaté que non, Jésus était charpentier, comme son père Joseph qui était charpentier. Comme ce n'était pas ça le message qu'il apportait. Donc sûrement, on ne s'est pas attardé là-dessus. Mais jusqu'à ce qu'il atteigne ses 30 ans. Parce qu'il a commencé sa vie active à 30 ans et puis jusqu'à 33 ans, il est mort. Mais avant les 30 ans, on sait qu'il était charpentier. Donc, c'est sur un charpentier, ils font quoi? Ils font des charpentes de maison. J'essaie d'imaginer Jésus qui travaille dans l'atelier de son père Joseph. Oh non, on doit aller construire une maison, on nous demande de faire des charpentes, on nous demande d'aller poser des fenêtres, on nous demande de faire des livraisons. Tu vois? C'est sûr que ça générait de l'argent et du bénéfice. Et les gens tout autour aussi, voyant que non, ah, Joseph... son établissement ou son atelier de charpentier progressait, mais il a peut-être eu d'autres employés. Moi, j'essaie un peu de voir ça un peu plus là-bas. C'est sûr que la Bible n'en a pas fait mention parce que ce n'était pas ça son objectif ni sa mission. Mais la Bible en parle, qu'il était charpentier. Et pour la charpente, c'est le travail du bois. Voilà. Ça prend d'aller déraciner le bois. Couper le bois, j'imagine. Travailler le bois, j'imagine. Parfois se blesser avec le marteau, se faire des coups, se blesser. Donc c'est un travail vraiment acharné pour avoir la maison finie ou le meuble fini. Il y a tout un travail de discipline, de rigueur. Et Jésus d'ailleurs dans son ministère, on l'a vu étant un homme organisé, rigoureux, rigoureux dans le bon sens du terme. Ça veut dire mettant tout en place pour arriver à la mission. Exactement. Donc, c'est vraiment ça. Il suffit de persévérer. Voilà. Il faut persévérer. Il ne faut pas se fatiguer des échecs. Les échecs ne sont que des escaliers pour atteindre l'excellence. D'ailleurs, moi, je vois aucune personne
prenons par la personne qui a créé la lampe, est-ce que c'est un père, c'est qui, je ne sais plus. C'est sûr qu'avant qu'il arrive à allumer, à créer la lampe qui s'allume, c'est sûr qu'il a eu des échecs. Il a essayé, ça n'a pas marché. On peut prendre aussi celui qui a créé le téléphone. C'est sûr que ça a commencé, il y a eu des échecs. Absolument. Jusqu'à arriver à atteindre. Oh non, il se met un de l'autre côté, de l'autre côté. Ils essaient de parler, la communication passe. Oh, ils ont réussi. Mais c'est sûr qu'il y a toujours des échecs avant d'atteindre une réussite. Ce que je comprends, c'est que tant qu'on a une vision et qu'on est, on est conscient de notre vision, on est conscient de notre appel. Il y a plusieurs appels, hein? On est conscient de notre appel, on est conscient de notre mission, on est conscient des dons, des talents que Dieu nous a donnés pour arriver à accomplir la mission. Finalement, comme tu le disais, les échecs ne sont que des marchepieds. En fait, exactement, ce ne sont pas des échecs, ce sont des expériences, qui nous permettent de nous améliorer jusqu'à l'aboutissement. Et on peut déjà ici passer un message à ceux qui nous écoutent et puis qui se sont découragés parce que peut-être dans cette marche, il y a eu beaucoup de déceptions, beaucoup d'humiliations, beaucoup de pertes de revenus. Il y en a qui ont arrêté parce qu'ils ont perdu trop de revenus dedans. Qu'est-ce que tu peux déjà donner comme message ce soir? Bon, donc, le message d'encouragement, c'est pour dire à quelqu'un, non, n'abandonne pas. Quoi qu'il arrive, il faut que tu sois persévérant. Parce que ce n'est que lorsqu'on persévère qu'on arrive à atteindre le résultat. Ce n'est qu'en persévérant qu'on arrive, même si au début ça a l'air un peu... informe. Et ouais, voilà. Ça a l'air un peu informe, tu ne sais pas comment t'y prendre, tu n'as pas les idées claires. Essaye quand même de mettre ce que tu as en tête là, de les accoucher sur papier. Accouche-le, mets-le là, continue à réfléchir. Bien sûr, il faut toujours demander l'aide du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vient nous parler. Bon, c'est sûr, il y en a qui ne sont pas croyants ou qui ne prient pas, qui diront que non, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est moi-même, mon esprit, mon intelligence. Mais nous sommes les œuvres du Créateur. Donc, le Créateur a mis, il a déposé sa marque en nous. Donc, ce qui fait que même si tu n'as pas conscience, même si tu ne crois pas que c'est le Saint-Esprit qui te pousse, mais il y a une voix intérieure, si on peut l'appeler comme ça, qui va te dire, mais regarde, tu vois ces deux bâtons-là que tu es en train de tenir, je pense que si tu mets l'autre comme ça et l'autre comme ça, tu rajoutes un, ça va te faire comme trois pieds pour former un trépied en bois. Ouais. Donc cette idée-là, c'est sûr, ça vient de ton esprit. Ton esprit est connecté quelque part au Créateur qui te souffle des petits mots, des idées et tout ça. Là. Donc, continue à persévérer. Même si tu essaies, ça ne réussit pas. Continue. Ça va atteindre la perfection. Ça va atteindre. Tu réussiras. Tu réussiras. Et le Saint-Esprit parle. Mm-hmm. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Et cette émission pourrait être également le canal par lequel le Seigneur te parle aujourd'hui. Parce que le Seigneur a mis des hommes, le Seigneur parle aussi au travers des hommes. Exactement. Il a mis des aides de destinée autour de nous. Mm-hmm. Le tout est d'être attentif à la voix de Dieu. Alors Mireille, quand on parle du travail acharné, tout à l'heure tu disais qu'on met tous nos efforts. La Bible dit, faites tous vos efforts. Alors comment équilibrer entre le travail acharné et la confiance en Dieu et la reconnaissance en fait que notre succès ne dépend pas de nous, mais dépend de la grâce de Dieu et de la providence de Dieu finalement. Même si on fait tous les efforts, il faut amener un équilibre entre nos efforts acharnés et la confiance que nous avons en Dieu, mais également la reconnaissance que tout ce que nous recevons, c'est produit de la grâce de Dieu et de sa providence. Oui, là je dirais aussi, il y a le mot « principe ». Il y a le mot qui, principe qui est en train de résonner un peu en moi. Dieu est un Dieu de principe. Vous savez, tout ce qu'il a créé, c'est par principe. Par exemple, lorsque, pour qu'il y ait la pluie, hein, pour qu'il y ait la pluie, pour arroser le sol, pour qu'il y ait de la semence, il faut qu'il y ait la chaleur, la condensation, il y a les nuages, la pluie tombe et puis la chaleur. Tu vois, c'est un cycle.
Donc, c'est la même chose. Quand il dit qu'il a déposé quelque chose en chacun de nous, quand il dit que je vous ai créé à mon image, à ma ressemblance. Donc, on ne peut que croire, puisqu'il dit ça, il est le Créateur. Il a tout en lui, donc il a tout déposé en nous. Il nous a donné la capacité, il nous a donné l'intelligence. Si nous pouvons penser à faire telle ou telle autre chose. Là, on revient encore aux paraboles de talent aussi. Alors, ça veut dire que les principes, c'est quoi? Là, j'entends la loi de la moisson et de la semence. Je pensais à ça. C'est à ça plutôt que je pensais. C'est ça pour ça monter. Oh. La loi de la semence, de la moisson et de la semence. Exact. Donc, quand une graine, vous semez une graine, la loi veut que cette graine-là produise. C'est ça la part de Dieu. Notre part, c'est de semer, c'est de travailler la terre, c'est ça, de labourer la terre, c'est de défricher le terrain. C'est exactement ça. C'est ça parce que la loi, le principe est là. Mm-hmm. Tu sèmes. Quand tu sèmes, ça veut dire qu'il faut que tu travailles pour. Exact. Tu sèmes, tu dois sarcler, tu dois enlever les mauvaises herbes, tu dois faire tout ce qu'il y a à faire. Mm-hmm. Tu fais ta part. Mais parce que les principes de Dieu sont là, mm-hmm. quand tu sèmes, ça va sortir. Exact. Et ça, c'est un encouragement aujourd'hui hein, pour ceux qui sèment, plantent, fais ce que Dieu t'a dit de demander de faire. Et la loi de la croissance, elle vient de Dieu. On ne sait pas comment ça va se faire. C'est là que Dieu s'en charge. De Dieu. Oui, voilà. Et il y a justement dans les livres de Corinthiens, on dit que tel a arrosé, tel a planté, tel a arrosé. Mais c'est Dieu qui fait croître. Exactement. Le mystère de la croissance vient de Dieu. Voilà. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est la foi et c'est l'obéissance dans ce rêve qu'il a mis en chacun de nous. Mais en plus, il faut pas oublier. Dieu te demande, qu'as-tu entre les mains? Qu'as-tu entre les mains? J'ai essayé une fois, j'essaie un peu de diagnostiquer. Vous disséquez le mot entreprendre, entrepreneur. Je réfléchissais sur ça, entreprendre. Entre, on a entre, mais il y a le verbe prendre. Donc, on prend avec quoi? Avec les mains. On prend avec les mains et d'où le mot entreprendre ou le verbe entreprendre. Donc, il y a quelque chose dans nos mains. Voilà pourquoi Dieu demande. Il a demandé à la veuve de Sarepta. Le prophète a demandé à la veuve de Sarepta, qu'as-tu dans ta maison? C'est la même chose. Il a demandé à Moïse, qu'as-tu entre les mains? Moïse a dit, j'ai le bâton. Et c'est avec ce bâton-là que la mer a, il a séparé la mer. C'est avec ce bâton-là qu'il a fait les 10 plaies, qu'il a accompli les 10 plaies. Donc, c'est avec ce bâton-là qu'il a accompli des grandes choses. Donc, toi aussi, Dieu a donné à chacun un bâton dans tes mains. Qu'as-tu entre tes mains? Prends ce bâton-là. Ce bâton, ça peut être... Ouais, tu ne le vois pas, oui. Quand on dit entre tes mains, c'est qu'as-tu dans ta maison? Qu'as-tu en toi? Donc, essaie de regarder dans quoi tu es... Tu excelles. Qu'est-ce que tu aimes faire? Voilà. Sans contrainte. Qu'est-ce que tu aimes faire? Est-ce que tu es fort dans l'écriture? Tu es fort dans le parler? Est-ce que tu es fort dans le maquillage? Est-ce que tu es fort dans telle ou telle autre chose? Essaie de découvrir ce dans quoi tu es fort. Focus là-dessus. Eh bien, évidemment, aussi, il faut une formation pour peaufiner cela, perfectionner cela. Ben, pourquoi pas? Allez-y, comme moi, je sais que j'ai ce talent-là. J'ai été me perfectionner à l'école de joaillerie de Montréal. Donc, j'ai encore plein d'autres formations que j'essaie de faire là, par-ci, par-là, mais c'est vraiment ça. Quand tu as, découvre ce que tu as en toi. Parce que tout ne vient que de l'intérieur. Tant en bien, tant en mal, tout nous vient de l'intérieur. Pasteur Nathalie, j'ai envie de dire, il y a cette phrase-là. Non, il y a, il y a,
Vous voyez la graine d'haricot. L'insecte qui tue la graine d'haricot. Et dans le haricot. Elle vient du haricot, de la graine d'haricot. Donc ça, c'est en mal. Mais en bien, c'est en toi. Et là, je vois, je retourne vers l'âme. Le verset où on dit, Dieu dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. 3 Jean 2. Oui. Je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, ta prospérité ne dépendra que de ton âme. Et là, c'est un autre sujet aussi, mais vraiment, il faut que lorsque tu es en paix en toi-même aussi, lorsque tu as le Saint-Esprit, mais commence à essayer de tracer ton chemin, à chercher ce dans quoi tu es habile, et ça va marcher. Et ça va marcher, mais j'aimerais quand même qu'on revienne dessus parce que c'est important. Oui. Quelqu'un qui a une mauvaise estime d'elle-même, parce que bon, la vie est faite ainsi, où on peut vivre des événements dans l'enfance, dans l'âge adulte, dans le mariage, qui nous amènent à perdre notre estime de soi. Et quand on a cette perte de l'estime de soi, quand on a cette perte de valeur, on ne peut plus rien entreprendre parce qu'on est mal à l'intérieur. Exactement, de soi. Donc, oui. Important d'aller trouver la guérison nécessaire. Et justement, le travail est un des moyens qui relève l'estime de soi, cette satisfaction qu'on arrive à la production finale, ça relève l'estime de soi. Donc, c'est important d'aller trouver la guérison nécessaire parce qu'une personne blessée ne peut pas produire. Non, pas du tout. Parce qu'en elle, il y a l'amertume. Il faut qu'elle retrouve la force pour maintenant avoir la capacité de reproduire. Exactement. Très, très intéressant et très, très important parce que quand on vit le mal-être, d'ailleurs, les personnes qui vivent le mal-être, qu'est-ce qu'elles veulent faire? Elles veulent se suicider. Donc, c'est un esprit de mort. Nous prions que ce soit... Que le Seigneur amène la guérison, un baume dans chaque âme, dans le nom de Jésus. Il y a cette femme qui avait les mains sèches, parce que tout se fait, comme tu disais, avec les mains. Tout aujourd'hui, même nous sommes dans ce domaine des médias et tout ça, mais tout l'ordinateur et tout ce que nous faisons, c'est avec les mains que nous le faisons. Et le Seigneur a guéri cette femme qui avait les mains sèches, pour qu'elle soit capable maintenant d'être productive et de travailler. Alors aujourd'hui, Mireille, comment est-ce que tu peux encourager les autres chrétiens, ceux qui nous écoutent aujourd'hui, à considérer que leur travail, leur don, leur talent sont des moyens de servir Dieu et de contribuer à l'œuvre de Dieu. On a un petit peu parlé de ça au début, que tous les dons, les talents que Dieu nous a donnés, ça sert à servir Dieu et à contribuer à l'œuvre de Dieu dans le monde. Oui, exactement. Je dirais que au-delà des talents qu'on peut avoir, okay, tantôt là, tu as parlé de l'estime de soi, tu as parlé de l'estime de soi où lorsque on a intérieurement, on n'est pas bien, donc on n'est pas en mesure d'encourager d'autres personnes, on n'est pas en mesure de les booster ou de les motiver. On n'est pas en mesure, en fait, lorsque, pour encourager quelqu'un, pour encourager l'autre, donc toi-même, tu dois être bien en toi-même. Et lorsqu'on va encourager l'autre, pour moi, je vois, il y a le changement. On va encourager l'autre pour apporter le changement dans sa vie. Mais pour apporter le changement, tantôt, ça, c'était un peu drôle, mais comme on a dit, j'ai dit que l'insecte qui détruit l'haricot se trouve à l'intérieur, tout comme qu'est-ce qui peut t'apporter du bien se trouve à l'intérieur de toi. Donc là, j'ai envie de dire, lorsqu'on veut apporter le changement dans la vie de quelqu'un, encouragement, donc ça veut dire qu'on veut lui apporter le bonheur. Or, le bonheur se trouve en chacun de nous. La Bible dit que le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Il y a certaines personnes qui pensent que pour avoir le bonheur, je vais le trouver à l'extérieur de moi. Le bonheur, je vais le trouver
auprès des amis, le bonheur dans un auprès d'un mari, auprès d'une femme. Je veux trouver mon bonheur quand je conduis une belle voiture, tout ça. Mais non, le bonheur, c'est... D'abord, il faut que ça vienne de l'intérieur. Quand dans ton âme, tu es bien, tu peux... Donc, voilà, on ne transmet que ce qu'on a. On ne peut transmettre que ce que l'on a. On va encourager l'autre si nous-mêmes en soi, on est déjà bien. Si en soi, déjà, on est bien, on est sur le plan mental, on est bien, on a le bonheur. C'est ainsi que ce bonheur-là que j'ai, je peux le transmettre. Mais si je n'ai pas de bonheur, je n'ai pas d'estime de soi parce que j'ai vécu des événements, des circonstances, qu'est-ce que je pourrais donner à l'autre? Autrement, au travers de nos dons, de nos talents, nous ne sommes que des instruments entre les mains de Dieu, donc des serviteurs de Dieu que Dieu utilise afin que son œuvre se manifeste. Il y a ce verset que j'aime dans Matthieu 5, le verset 16 qui dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » J'aime ça. Donc, au travers de ces bonnes œuvres, nous luisons, nous transmettons, nous sommes des serviteurs, nous transmettons aux autres. Parce que les autres, quand ils nous regardent, nous devenons comme des modèles pour eux. Et puis, ils peuvent glorifier Dieu. Et ça contribue à au développement, finalement, de toute une nation. Ben oui. Autant on peut transmettre le bonheur, hein, transmettre l'encouragement, transmettre l'apprentissage, la découverte à l'autre. Autant nous-mêmes, nous devons être en mesure d'être dans cette condition-là, être cette lumière-là, pour que nous puissions transmettre la même lumière à l'autre. Transmettre le même désir ou bien la même passion que nous avons à l'autre pour que l'autre puisse à son tour s'épanouir et ainsi de suite transmettre à l'autre. Et donc ça va aller d'une personne à l'autre, et finalement, ça va être toute une communauté. Exact. Qui va être transformée. Transformée. Exact. Oui. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Tout à l'heure, à la fin, on va mettre quelques images un peu pour montrer, Mireille, ce que tu es en train de faire. Le mot de la fin aujourd'hui, Mireille, pour merci d'avoir été là, d'avoir partagé. Alors, le mot de la fin ou une prière que tu pourrais faire pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Merci, Pasteur Nathalie. C'était un plaisir pour moi d'être ici et de parler de la passion. Il y a plusieurs mots qu'on peut regrouper. La passion, bonheur, encouragement, satisfaction, bonheur dans l'âme, santé, être en bonne santé, lumière et tout. Donc, moi, c'était un plaisir pour moi de vous parler du peu que je sais faire, parce que je suis encore à la découverte, je suis encore en train de me découvrir. Donc, moi, j'encouragerais toute personne, comme j'ai dit tantôt. Le titre de l'émission, c'est « Les mains habiles ». Donc, Dieu a doté chacun, chaque personne, croyez-moi. Tu n'es pas venu sans rien. Dieu s'est chargé d'équiper chaque être humain avec quelque chose, avec un talent particulier qui fera ta particularité. Donc, c'est à vous d'aller chercher à l'intérieur de vous. Donc, ma prière est que pour ceux qui connaissent déjà leur talent, ben, pour ceux qui connaissent déjà en quoi ils sont habiles, gloire à Dieu. Continuez de persévérer, cherchez s'il y a des formations, allez vous perfectionner, exceller. Les échecs, ça arrivera, mais pas de souci. Les échecs sont des marchepieds pour atteindre le sommet. Et pour ceux qui n'ont pas encore découvert leurs talents, leurs habiletés, ben moi je vous dis, vous avez quelque chose en vous. Regardez là où vous êtes passionné, là où qu'est-ce que vous savez faire. Sans force, ce que vous pouvez faire sans vraiment qu'on ne vous force, que vous pouvez le faire comme ça facilement.
et focussez-vous là-dedans. Et une fois que vous aurez essayé, ça va vous faire ressortir un deuxième talent, un troisième, un quatrième. Et ainsi de suite, votre arbre va croître, il va grandir, il va porter beaucoup de fruits. Parce que vous serez comme cet arbre-là, planté le long de la rivière, où ses feuilles demeurent toujours vertes et les fruits vont être mûrs et tomber à côté de l'arbre pour repousser encore d'autres arbres. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Je finirai par deux versets aujourd'hui que je trouvais très importants. Proverbe 12, le verset 24 qui nous dit « La main des diligents dominera, mais la main des lâches sera tributaire. » On parle du travail acharné dans cette émission, dans cette mini-série « Les mains habiles ». On parlait aujourd'hui du travail acharné et de la persévérance. Et ce verset dit « La main des diligents, la main de ceux qui entreprennent, elle va dominer. Mmh. Elle a du pouvoir et je prie que le Seigneur donne du pouvoir à votre main aujourd'hui. Mmh. » Et il y a ce verset également qui dit dans Éphésiens 4, 28 « Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. » Je trouvais ça très, très intéressant. Il y a plusieurs versets, en fait, on ne peut pas toutes les donner. Donc, parcourez votre Bible, il y a plusieurs versets qui parlent de la main. Et notre prière encore ce soir, psaume 90, le verset 17, « Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermi l'ouvrage de nos mains. » Oui, affermi l'ouvrage de nos mains. Voilà notre prière aujourd'hui, Seigneur, par ta grâce, affermi l'ouvrage de nos mains. Donc, c'était la première émission. D'autres émissions s'en viennent. Et restez, soyez de notre tout au long de ce mois de mars. Nous allons parler des mains habiles. Alors, à très bientôt pour une prochaine émission. Que Dieu vous bénisse.